skies pounded the earth. Those of us who survived the cataclysm and were not mauled by the creatures fled into the metro. There, in the outer darkness of the tunnels, we found refuge. And we will fight for our future until we die. Salut les amis, c'est Wood 13. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo d'une démo d'un jeu, The Into We Die. Un jeu édité par Pixel Games qui est donc une démo qui doit nous laisser la main sur 7 jours de jeu dans le jeu et qui est un jeu de stratégie, de défilement latéral avec un peu comme The Kingdom. Un jeu très très dur, vous allez le voir. J'ai fait une partie et j'ai galéré. Le jeu doit paraître le 3 juin 2021, donc bientôt. Et n'hésitez pas, il est excellent. Graphiquement, il est magnifique. Un bel univers. Et donc on va se lancer dans une partie. Allez, c'est parti. Alors, on a accès qu'à la première campagne, je suppose. Oui, on voit que c'est comme ça. Et au niveau du scénario, donc on doit survivre pendant 7 jours avant l'arrivée de nos renforts principaux. Bonne chance, commandant. Donc on va contrôler Ivan, qui est le personnage principal. On ne peut pas régler le mode de difficulté qui est chevronné. Chevronné, on prend cher, on va dire. On prend cher facilement. Facilement. On va laisser le tuto. Regardez graphiquement déjà comme c'est du pixel art magnifique. Commandant, nous arrivons. Oh, le moteur est cassé. D'accord. Commence bien tout ça. Alors, vous voyez, Ivan, et on doit pouvoir. Voilà, donc là on récupère, on demande à nous. À nos petits amis de récupérer de la ferraille, du mécanicien. Hop, on récupère, et avec tout ça, on peut potentiellement construire des choses et réparer des choses. Ce que j'ai dû comprendre, et là on peut réparer le chariot, qui va nous demander, et qui va s'en aller. La Drésine est prête à repartir, j'aimerais demain avec des renforts. Ah bah, ça serait pas mal. Donc là on va mettre deux personnes pour la construction. Là, on va dire que c'est des ouvriers lambda. Hein. Il y a plusieurs styles d'ouvriers, de personnages, on va dire. Donc là, ce qu'on, générateur en service. Nous pouvons équiper notre camp. Alors, il faut construire des défenses. Allons-y. Donc là, on peut récupérer des ressources, ce qui va être très important dans le jeu. Allez, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant et de pas mal. Allez, venez là. Ah zut, construisez tout là. Et là, c'était pas fini. Allez. Et après, vous me finirez de me construire ça. Allez, 1, 2 ici. Et toi, tu continues à me construire. Ah, par contre, on peut rien faire en attendant la fin du tuto. On peut prendre de l'avance. On est bridé. Déjà que c'est complexe, on aurait pu nous laisser la main. Vous pouvez affecter des membres de votre escouade au mur et en les déployant sur le drapeau. Ok, les techniciens et les habitants qui ont été affectés au mur réparant si nécessaire. Alors là, on peut construire quelque chose d'autre qui serait intéressant. Qui permet de donner des pelles, qui permet de combattre les monstres qui vont apparaître au fur et à mesure du jeu. Un jeu de survie, hein, on va dire. Hein. Allez, mes amis. Un peu d'effort. Je sais que vous en êtes capable. Donc on a une mitraillette dans la main. Hein. Je pense qu'on peut l'utiliser et on pourra l'utiliser au fil de l'aventure. Mais pour l'instant, on suit le tuto.
Ok, donc là on peut déployer quelqu'un qui va utiliser ses capacités en tant que magasinier. Les excavateurs sont des puissants combattants de mêlée. Si vous mettez un excavateur contre un mur, il le protégera avec une pelle. Il n'est pas leur... Alors, ils n'ont pas leur pareil pour dégager les excroissances. Les excavateurs sont également de bons pilleurs et peuvent chasser les limaces. D'accord. Donc moi, on va en prendre deux, hein. Et on va aller récupérer des outils. On va récupérer déjà de la nourriture. Allez les gars, mettons-nous au travail, écoutez les ordres, déployez les environs, rétablir. Ah, ben lui, il est revenu déjà. Allez, on va récupérer tout ce qu'il y a là avant d'aller chercher le suivant. Il me faudra beaucoup de nourriture. Allez, allez, dépêche-toi. Voilà. On va pouvoir accélérer, c'est pas mal. Ce qu'il me faut, c'est de la nourriture. Voilà, moi je m'en fous de ça pour l'instant, je veux de la nourriture pour qu'il aille me... Wow! Me demande de faire ce tuto encore. Allez, récupérez-moi ces champignons. Ils m'ont l'air succulents. Et après, on rentre tout de suite à la base pour pouvoir aller récupérer votre collègue. Et peut-être qu'au passage, je vous déposerai ici. Voilà. Ça, tu vas pouvoir récupérer des ressources. Et viens avec moi. Allez, hop, on est reparti à la base. Il n'y a pas de temps à perdre là. Allez, toi aussi tu te dépêches. Allez, allez, voilà, on est parti. Allez, allez. Tout ça, récupérez-moi tout ce qu'il y a là. Ramasser de la ferraille afin de pouvoir... Ah, ok. Faire renvoyer. Donc en fait, il faut ramasser de la ferraille et ensuite lui donner tout et il ira chercher. Alors, c'est quoi? Sélectionner le bonus pour améliorer le générateur. On va prendre. Alors, pour les deux premiers voyages, le marchand amène un adepte supplémentaire. Pour chaque habitation de quatrième niveau, un vagabond viendra à la base. Ok. Après avoir allumé le tonneau, donc on va prendre plutôt celle-ci, c'est plus intéressant. Allez, vous me faites ça. Et ensuite, je voudrais que vous construisez ça avant. Allez, on se dépêche. Parfait. Allez, vous deux aussi, vous l'aidez. On a besoin de ressources au maximum. Parfait. Allez, vous construisez ça. Allez, allez. Toi, tu fais ça. Et en attendant, toi, tu vas ouvrir ça. Allez. Cachons-nous derrière les murs. Oui, ben ça, je veux bien me cacher derrière les murs, mais pour l'instant, on construit, donc on est à fond là. Allez, allez, allez. Non, t'as rien à faire pour l'instant. Ok, venez là, vous deux. Toi aussi. On va te mettre là aussi. Ils attaqueront où? Par où ils attaquent par contre? Ils sont où? Ils sont où ces vilains? On voit presque plus rien là. Donc là il y a des champignons, c'est bon à savoir. Là. Oh, pop, 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 pop. Oh. Il faudrait que tu répares, mais pour l'instant il est occupé à construire. Donc on peut pas réparer. Aide-le. Non, tu veux pas? Il veut pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Non. Bon, ben j'ai pas l'heure de. C'est une petite vague ou. Des risques. Il y en a deux qui arrivent là. Allez, vite, vite, vite. Alors, tout a fini.
prépare-moi ça. Toi, tu viens là. Tu vas rentrer là-dedans. Voilà. Comme ça, toi, je vais pouvoir faire des recherches. Les techniciens sont des soutiens inestimables. Ils peuvent étudier les technologies en laboratoire et ouvrir les accès aux améliorations des stations. Les techniciens déployés près des murs répareront. Les techniciens peuvent également construire tous les types de structures. Ok. Allez, venez vous deux. Vous allez me faire récupérer toute le. Et ensuite, on va. Allez, allez, allez. Pas le temps à perdre. Est reparti, c'est déjà pas mal. Toi, tu vas prendre une petite torche. Allez, non. Ah, mettre du temps, hein. Toi, tu rentres là-dedans. Et toi, tu me suis parce que j'aurais besoin que tu me construises ce qu'il y a là. Et c'est pas toi. Ah purée. Je perds du temps là. Allez, construisons ça là. Ôte-moi plutôt cette structure là. Allez, allez, allez. Voilà, toi tu vas monter ça. Vas-y. Est-ce qu'ils ont fini là? Et là-bas ça va être compliqué si je me dépêche pas. 12. En appuyant sur table, on a toutes les ressources. On a manqué de personnel, hein. Ils ont pas fini encore. Bon, on va les laisser construire tous les deux. Toi, tu viens avec moi. Allez, on se dépêche. Lui, il est en train de faire sa recherche. C'est parfait. Tu vas prendre ta pelle. Voilà, tu me suis. Et on va aller ôter ce qu'il y a ici. Parce que je pense que les monstres vont arriver aussi de ce côté-là. Donc, il faut faire attention et avancer un peu. On est presque à la limite du brouillard. L'autre va arriver, hein. Il va revenir assez rapidement, je trouve. C'est une nourriture pour le faire renvoyer. Ouais, parfait. Est-ce qu'il y a un nouveau chalumeau? Non. Donc toi, on va en mettre un là avec toi. Voilà, pour qu'il puisse réparer. Et toi, de l'autre côté, ce qu'on va faire. Non, on va envoyer un là et un là. Ok, donc là on doit être bon et on va vite aider le soutien de l'autre côté. Allez, mur de droite aussi. Alors, on va pas être simple ça. Voilà. Allez, répare-moi ça vite fait avant qu'il y ait des massacres. Des massacres, des massacres. Bon, il est en train de réparer. Allez, non, il faut que tu le répares. Non, 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 non. On est en pleine réparation. Allez, répare-moi ça. Là, on est bon. Est-ce que j'ai du monde ici? Oui. Allez, venez par là. On va aller voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Il va falloir, oui. On va essayer de construire quelque chose d'intéressant ici. Allez, construisez-moi quelque chose là. On sait jamais. Jour 3.
aurez fini de construire, vous allez me ramener. Allez, allez, on se dépêche. L'impression que vous avancez à rien là. Allez. Ah, zut. Alors, c'est des incinérateurs, ça permet en fait de régénérer la. Ouf, il a tout régénéré. Ça permet de régénérer notre vie et la barre d'endurance. Donc, ce qui est vraiment très important et très bien. Donc là, on n'a pas besoin de pelle. L'autre est toujours pas arrivé. Et il n'a pas fini sa recherche lui encore. Technologie après, il rassemble les provisions plus rapidement. D'accord. Hop, fais-moi encore le reste. Allez. Est-ce qu'il peut devenir une page? J'ai trouvé des volontaires en plus. Un maigrichon, certes, mais il est musclé. Oui. Musclé, musclé. On verra bien s'il tient à faire face à tous ces monstres. Ah, il manque juste. Oh, zut. Allez, donc là on a tué les œufs, les créatures proviennent d'autres œufs et peuvent éclore la nuit. Donc ça c'est bien. Ça permet d'avancer. Et me construisez. Non. Récoltez-moi ça et vous récoltez-moi ça. On va aller loin là. Allez par là et détruisez-moi ça. Et toi, les autres, allez m'ouvrir ça. Allez. J'espère qu'ils vont. Ouais, ils vont peut-être pas y arriver. Non, on peut pas tant qu'il a pas fait ça. Allez, récoltez, récoltez, récoltez. On a besoin de tout ça tout de suite. Et on rentre vite fait à la base. Allez, en avant. Ils ont fini ou pas? C'est peut-être pas là, non? Ils sont revenus là. Ok. Allez, suivez-moi. Donc on va en laisser un ici. Ok, on va changer. On va en mettre un, deux, trois. Et les autres vont me suivre. Comme ça, ça me permettra moi de lui donner un truc comme ça. Il est en proximité du mur de gauche. Donc c'est bien l'autre côté. Donc ça a l'air d'être bon. Toi, tu vas prendre une pelle. Et vite, 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 vite. Allez, allez. Voilà. Est-ce que ça tient pour l'instant sur l'autre mur? Ça a l'air de tenir. Les murs sont faibles, ben oui, mais pour l'instant, je peux pas trop y faire grand-chose. Là, ils sont sortis de leur enclos. Vite, faut que j'aille voir de l'autre côté. Ouais, non, ils vont tenir, ils vont tenir, ils vont tenir, ils vont tenir, je le sens. Ah, ça va tenir, ça va tenir, on est au jour 3. Ça peut y aller, ça peut réussir. Allez, je pense que c'est bon, vous pouvez venir. On va accélérer un petit champ. Allez, il est en train de faire sa recherche. L'autre n'est pas encore arrivé, donc c'est parfait. Jour 4. Toujours pas. Allez, suivez-moi vous, tous. Alors. Deux là. Et j'en veux deux aussi ici. Allez. On se dépêche, on se dépêche.
Mettez-moi ça. Faut que j'aille récupérer. Oh là. Allez, flinguez, flinguez. Voilà. Ah. Allez, on se dépêche. Là, j'ai l'impression que vous faites rien. Allez, Boris. Ah, la technologie des murs 2, mais oui, mais pour l'instant, il faudrait bien en faire un seul mur, ce serait pas mal. Allez, on récupère. Ouais, bon, ils ont fini là. Ce serait pas mal. Allez, viens avec moi. Tout de suite, on va construire celui-ci. Allez. Est-ce qu'on a des ressources un peu plus... C'est quoi ça? Choisir le bonus pour agrandir les frontières de 6 mètres. Alors, piège lumineux. Un piège lumineux brouille et placé sur chaque mur. Le piège en déclenché, d'accord. Ressources assemblées. Une amélioration gratuite pour les murs construits en ce moment et après chaque vague importante. On va prendre celui-ci. Et on va même construire celui-ci aussi. Allez, venez, on s'en va de là tout de suite. C'est pas le moment de traîner là. C'est pas le moment de traîner là. Gauche. Donc là ça a l'air d'être bon, c'est bien le côté gauche, mais par contre là il faut qu'ils se dépêchent un peu et on n'y sera jamais sûr. Allez, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Allez, on se dépêche parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Et il faut se dépêcher à aller de l'autre côté. Allez, le mur de droite. Ah, le mur de gauche a été détruit. Construire ça ici, on va reconstruire ça aussi. J'ai l'impression qu'on aussi on peut améliorer. Je vais mettre...
Allez. Récolter, récolter. Après, on filera l'autre côté. C'est le plus important de l'autre côté. Allez. Aidez-le, parce que là, j'ai l'impression qu'il avance à rien. Aide-le, non, c'est bon. Reviens, toi. Ok. On va laisser tout le monde là. Allez. Moi, je vais te faire demi-tour. On active. On se dépêche un peu. On répare ça. On répare ça. On répare ça. Pas besoin. Allez, les amis. Cinquième jour. On y est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ce qui serait important, c'est d'avoir une ressource supplémentaire. Allez. Comme ça, on va pouvoir le mettre en mécanicien. Là-bas, ils sont bons. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Maintenant, c'est plus ce côté-là. Ok. Allez, maintenant, il faut y aller. On va plutôt même refaire une recherche plutôt. Ce serait intéressant. Voilà. Tac. Et là, on est parti. Allez. À fond de balle. On accélère. Enfin, ça demande... L'organisation, tout ça. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Pas bon. On a perdu une troupe pour rien. Non. Ah là 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 là. Ah, ça tient pas. On y est presque. On va y arriver. On tient bon. Voilà, bien. Allez, on reconstruit. Assez corsé, hein. Boris gagne en expérience toutes les 5 jours. Ah, bah oui, mais quasiment déjà. Allez, allez, allez. Ouais. Hop, tu vas me chercher cette pelle. Ouais, je veux bien que vous construisiez ça. Ici, on l'a pas assez. Bon, ben, hop, on construit ça. Et puis là-bas, ça sert à rien. Non, il veut pas. Ah ben oui. Allez, toi, dépêche-toi. Bien là. Allez, construis ça. Allez. Allez,
restes-y. Va-t-on avoir la prochaine amélioration avant la fin du tour? Plutôt avant la fin de la journée. Allez, venez avec moi. On va... On ne peut pas reconstruire ça. Et non plus ça. Donc il nous faut du matériau. Là, on est un peu dans la mouise. On est un peu dans la mouise. Donc si... Ah ben là, on n'a plus rien. Plus rien. Oh là là, il faut aller chercher loin. C'est stuffé pour les aider. Allez, dégommolez-moi tous. Voilà. Construis-moi ça parce que là j'en ai besoin. On y est presque, on y est presque. Il nous faut de la ferraille. Allez. Il y a du monde. S'en va de là. J'ai l'impression. Alors, c'est quoi technologie développée? Vous pouvez maintenant construire un entrepôt. Le marchand déposera plus de ferrailles près du dépôt. La vitesse de pillage des ferrailles à proximité du dépôt est doublée. C'est bien ça. Alors, par contre, ouais, on a mis des barbelés. On va mettre quelqu'un d'autre là. L'impression de. On va mourir, mais. On aura tenu quand même 6 jours. Pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Allez, on rentre, on va de l'autre côté, parce que je pense que c'est là-bas où se passera le plus d'action. Viens avec moi, toi. Allez. Bah oui, mais on a manque de place, je comprends, mais... Là, nous, on peut pas trop faire autrement, là. On a plus de... Allez, on va les liquider. Allez, 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 il faut. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Faut tenir. Bien. On l'a tenu. Préparez-moi ça vite fait, il n'y aura peut-être pas d'autres vagues, mais là, ça va être tendu. Il me faut des vivres. Si on arrive là, les amis, on aura tenu jusqu'au bout. Moi, je dis félicitations et bravo. Bravo. Parce que c'est pas évident. De la gauche, préparez-vous. Ah oui, si tout arrive de la gauche, autant tout aller là-bas. Hein. Allez les amis, on va aider les copains. On va aider les copains. Ils sont où les copains? Il y a plus de copains? Et les copains? Oh, ils sont où là? Ouais, ils sont tous là. Ah non, c'est peut-être qu'ils arriveront après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va même liquider quelques trucs là. Allez, venez avec moi. On va s'amuser. Allez les taper au creux du truc. Allez, liquidez-moi ça là. Ah.
préparez-moi ça en attendant que les autres arrivent. Ce que je vais faire, moi, il faut qu'on pousse ça. Voilà, vous pétez ça aussi. Et vous pétez ça aussi. Pour faire long feu. Revenez avec moi là. Allez, donnez-moi, voilà, de la ferraille. Allez, parce que là, ça va être tendu. On va construire des trucs ici. Comme ça permettra de les arrêter un minimum. C'est jamais. Allez, on dépêche à construire. De toute façon, vous avancez pas là. Bon, ben là, on n'a pas assez pour. On n'a rien assez pour rien faire là. Hop, 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 hop. On va tout mettre ici. Voilà, vous venez tous là. Principal, c'est que vous soyez tous réunis. Et à gauche, on va aller à gauche et on va attendre. Hein. Moment fatidique, regardez tous les rats qui s'en vont. Oh, ça va être compliqué là, j'ai l'impression. Ils ont peur de quoi là? Construit d'ici là. Ah, ben, le jeu a crashé.